Bonsoir tout le monde. On se retrouve ce soir dans le même accoutrement qu'hier soir, c'est-à-dire un gros pull et un jogging. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une douche entre-temps. Promis. Je ne joue plus à League of Legends. Il y a eu une douche. Hier soir, on était avec les petits copains Brissou et Nicoulou pour se faire une soirée dragon sur Minecraft. Et ce soir, ce sera une soirée planète sur Marvel Snap. On va détruire des planètes à l'aide de Galactus. Es-tu là, Galactus? À genoux devant Galactus. Voilà. Je vous invite donc à vous asseoir, à vous prélasser dans votre petit siège. Nous allons immédiatement commencer par s'afficher le jeu, car on va y aller très franchement tout de suite sur le jeu, étant donné que l'objectif est de passer 40, donc 45 ce soir, et nous ne sommes que 34. Est-ce que c'est bon pour vous ? Nous ne sommes que 34 et l'objectif est donc de passer, enfin monter jusqu'à 40. Yo le colour, comment il va? Trop content que tu puisses être là, ce sourire. Donc monter 40 pour que on puisse atteindre le niveau 45. Et en ce moment, je sais pas pourquoi, mais je joue mon deck Galactus et ça fonctionne bien. Donc c'est ce qu'on va continuer de faire. Il est où? De toute façon, vous l'avez au-dessus de ma tête en fait. Ah, je vais me mettre plutôt... comme ça, ouais voilà, hop, c'est mieux. Le deck Galactus avec un petit Sunspot Psylocke, c'est vraiment le deck Galactus de base, une fois qu'on réussit à avoir toutes les cartes, pour vraiment ramp avec l'électro, etc. On va se faire ça, t'as vu les nouveaux decks, pas mal. Ouais, j'ai pas testé encore les decks avec le Hitmonkey là, Hitmonkey. Parce que moi je préfère me prendre le Season Pass à la toute fin. Comme là bah tu peux le voir dans mes decks, mon dernier deck c'est Nimroyer, donc Nimrod et Destroyer. Et vraiment je l'ai pris du coup le dernier jour une fois que j'étais passé 50. En fait je préfère faire ça, passer 50 et une fois que je suis 50, là je me prends le pack. Comme ça je suis sûr de pas gâcher de l'argent dedans, on va dire. Et comme ça me permet d'avoir les cartes du pack de chaque saison. Ouais donc Nimroyer ici, mais j'ai pas testé Hitmonkey encore. Tu t'es pris toi le Season Pass Pierre? Le son bug un peu? Ah c'est possible. Allô. Est-ce que je peux le monter peut-être? Si j'augmente la sensibilité, peut-être que ce sera plus net. Est-ce que là tu m'entends mieux dans le son? Tu prends direct toi. Tu te prends pas quand même le boost de x10 là. Tu le prends direct et puis t'augmentes. En fait ce qui est cool c'est que du coup je me dis qu'à la fin j'achète tout et je débloque tout. Ça coupe en fait par moment. Ouais c'est que la sensi devait pas être assez forte je crois. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que c'est plus distinct? Pas de boost, ouais. Moi j'aime bien le prendre à toute fin. Comme ça, je m'ouvre toutes les... Enfin, ça me fait un gros pool de crédits, de gold, et en même temps, je découvre mes variantes, etc. À toute fin. Bon. Pas vraiment. Ah, merde. Pourquoi c'est pas meilleur, le son? Alors, attends, je vais peut-être essayer un truc. Hop. Est-ce que là, c'est mieux, le son? Est-ce que tu m'entends mieux ou pas? Alors normalement j'ai augmenté bien la sensi et j'ai retiré des effets qui normalement étaient censés améliorer le son de la voix. Comment je pourrais faire pour tester le son? Ah je vais faire un truc. Je vais essayer de tester mon son sur le jeu, sur le chat directement. Là où je parle actuellement sur le stream. Ça m'a l'air correct en vrai. De mon côté, j'entends sur le live depuis le navigateur, c'est ok. Hein. Je sais pas si c'est que chez toi, Pierre. Je vais même diminuer un peu la sensi que vous entendiez pas tout autour. Ouais, quoique. Hop. Comme ça. Hop.
T'inquiète mec, je préfère que tu me dises dès le début si c'est un problème de son que ça fasse comme d'autres fois où il y a pu avoir pas de son. Et là c'est un peu plus gênant. Je vais juste retester encore avec les effets là. Voilà, c'est bon. Hein. Là, Lilalou. Ouais, ça a l'air pas mal. Ok. Bon alors. Je vous remets le son ici au cas où que j'oublie pas la prochaine fois. Tac. La musique est pas trop forte non plus. Que ce soit pas dérangeant. Hop. Bon alors. En attendant, on va démarrer sur le Galactus. En ce moment. Alors, qu'est-ce que j'ai comme mission? Ah, j'ai tout fait tout à l'heure. Gagner un emplacement avec une puissance de 20 ou plus. Bon, et là. Ok. Et c'est parti. On va essayer de se faire du mec. On va se prendre du cube. Et on va se remettre le son du jeu. Hop. Là. Alors, pas mal comme main de départ, mais il nous faut de l'énergie en plus. Un petit électro là, on dirait pas non. T'en as vraiment rien au début là. Mama. Du coup, toi, t'étais Infinite, Pierre, t'es redescendu 70 à peu près là. T'as rejoué depuis le début de la saison? Après le. Ouais. On va essayer de mettre du point, mais. Là, ça va être une partie Galactus où on va pas sortir Galactus, j'ai l'impression. Mantis. Ah ouais. Ouais, bah c'est ça, les mecs étaient infinites, voire même encore au-dessus de infinite. Oh non! Non! Oh, c'est sérieux, gros! Ah bah elle est bonne la partie là! Ah gros! Oh non, le MODOK qui me fout dans le mal! Ouah! T'étais 120! Ah oui, bah t'étais bien plus qu'infini, donc. C'est un truc qu'il devrait faire, il devrait mettre d'autres rangs qu'après infini parce qu'il y a trop de monde qui sont au-dessus d'infini. Tour 4, vas-y, essayer de mettre un truc là, mais. Je pense, tant qu'il snap pas, j'abandonne pas. Mais dès qu'il snap, là, je me tire. Ouais, tu réponds toi au questionnaire qu'il y a dans les. Tu sais, tout en bas à droite, là, dans les courriers, etc. Je l'ai fait une fois. Honnêtement, c'est intéressant de savoir déjà ce qu'il y a dans le questionnaire. Et en plus, c'est pas mal utile pour bon, je vais abandonner. Hein. Pas mal utile bah, pour donner ton avis, etc. Et justement, moi, je l'avais fait une fois. Par contre, c'était long. Hein. Vraiment, tu t'assois et c'est très long. Au moins, tu donnes ton avis. Et tu vois qu'il y a déjà des trucs, des prémices de. Ils ont écouté ce dont ils vont parler. Ah, mais attends, ça se tente. Hein. Ah, mais non. Perdu là. En vrai, je peux gagner sur là. On tente, hein, mais tant qu'il snap pas. À gauche, il peut pas prendre des points, on est d'accord. J'espère qu'il met un gros truc là. On le détruit, on prend plus 4. Mais non, plus 5 du coup. J'ai perdu ça de toute façon, mais bon. Ah. Bah j'égalise et je gagne à gauche. C'est incroyable d'avoir gagné cette game. Oh, le MODOK qui m'a mis ultra mal, mais au final ça va. Impressionnant. Bon, 35 c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on peut jouer Galactus sur un deck Galactus maintenant? J'ai diminué un peu le son. Puissance moins 3 aux cartes ici. Alors. T'as la petite bougie, elle va arriver au bout pendant le live. Donc Death, Shang-Chi, Electro, Psylocke. Bon, Electro, Psylocke, c'est un peu overkill. Mais au moins, Electro, c'est ce que je préfère. Ça aurait été cool d'avoir Speedy. Speedy Gonzales. Alors Mila?
mon boulot à plein temps. Ah, Black Panther, c'est la carte que j'ai lock dans le token shop. Et j'ai pas encore lock de carte ou prix de carte dans le token offert là. Parce que moi j'ai pas encore toutes mes cartes de T3. Je sais pas si toi tu les as color ou les out. Je crois qu'on est en tête à tête, mon Pierre. 3-4 devient une copie d'un autre emplacement. Puissance moins 3 cartes ici. Oh là là, c'est dur. Ok. Tu sais qui est-ce que tu veux prendre en carte de T3 de la saison là? Tu sais, celles qui sont gratuites en dessous du token. Mysterio? Ah ouais. Typiquement, moi bah, j'ai pris Wave au dernier. Non. Si, j'ai pris Wave. Et en token, t'as quelqu'un en visu là? Oh, Super Skrull. Oh oui! Il prend l'effet continu d'Electro. Énorme. Alors. C'est génial ce que je peux faire là. En vrai, c'est super cool le Hobgoblin ici, mais bon. G-Wave. Je vais nous mettre un. Comment il s'appelle? Je pense qu'il va mettre un David Dino ici. À moins qu'il fasse la bêtise de le mettre là ou là. Mais en vrai, en étant que là, ça va faire 1, 2, 3. Oh la bêtise. J'aime tellement l'effet de Galactus, il est trop stylé. Bon, je joue en premier. J'ai peur qu'il mette un Shang-Chi quand même. C'est carrément possible. Et en vrai, il a moins 12. Je suis à. On a 11 d'écart. Je peux faire. Ah non. Je suis pas. Je suis quasiment sûr qu'il va me mettre un Shang-Chi, mais j'ai rien d'autre. Mais on est déjà au dernier tour, ouais. Bref, le Spider-Man au final, avec l'emplacement moins 3, ça va faire 0. Limite, je peux faire. Bah, autant que je l'attente. Hein. Écoute, au plus, il va pas changer grand chose, non? Autant mettre Death pour avoir encore plus de points. Octopus, il va se faire Shang-Chi de toute façon. Le pire, en fait, si Shang-Chi, ça change rien. Parce que Shang-Chi va faire plus 3, moins 3. Ah, Devil! Il a tenté un Devil Dino. Étonnant. Époustouflé. Bon, ça s'annonce bien pour l'instant. Je fais des cartes. Ce nous spot, l'effet révélé se déclenche deux fois. Oh l'électro là-dessus, maman. Ouais, on va se mettre électro là-dessus après. Au tour 3. En espérant choper des grosses cartes. Si je mets Psylocke là-dessus, ça va faire quoi? Ça va faire plus 2. Au tour 3, j'aurai 5. Ouais, 3 et 2. Je pourrais rien en faire. Je vais juste la mettre pour potentiellement faire des cartes pour Death. Mais il faut encore que je chope Galactus et Death. Oh non! J'avais pas vu lui. Tour 3, 4 et 5, aucune carte ne peut être jouée ici. Ah, faut que je puisse jouer ici. Puissance plus 3 aux autres en même temps. Ok.
Là, mon seul emplacement pour Galactus, c'est à droite. Je pense que ça va être une game sans Galactus, là. Remplir un peu ça, qu'il puisse pas trop jouer de cartes sur Angela. Ici c'est plus ou moins gagné, enfin non c'est pas gagné du tout. Il a passé son tour au T4. Qu'est-ce qu'il nous prépare lui? J'ai pas Shang-Chi. Quoi? Pourquoi? Ah oui, parce que j'ai gagné ici. Ouais, ce serait une bonne chose de gagner. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il fait que de passer? Il est foufou le monsieur là. Je comprends pas trop ce qu'il nous fait. Ouais, en fait, je sais pas. À la place de Maximus, tu proposes Voldurine? Ah bah voilà, il abandonne. Ouais, mais j'avais à la base, quand j'avais pas, quand j'avais pas encore Octopus et Spider-Man. Ouais, je crois que c'était ces deux cartes qui me manquaient. Je jouais un deck Galactus avec Valkyrie et Wolverine. Et c'était pas mal du tout. Et en fait, là, l'objectif du deck, c'était de mettre genre Maximus. Et après, tu lui tires des cartes avec Octopus. Mais en fait, ça arrive jamais. Mais au final, le Maximus, il est pas mal pour genre à la fin, bah, comme dans la situation de tout à l'heure. Quand t'arrives à la toute fin et que tu sais que le mec, il a... Il a pas l'avantage, enfin il a pas le... Merde, comment on dit? C'est pas lui qui joue en premier. Et que tu sais qu'il va te mettre un Shang-Chi. Bah au final, Maximus, c'est bien parce qu'il met des gros points. Pas beaucoup de coups. Parce qu'il est en 3. Et il passe en dessous du Shang-Chi. Et il m'a pas mal sauvé parfois avec des genre... des deaths qui étaient à plus beaucoup de points. Et au final, bah la death, elle se fait Shang-Chi mais pas le Maximus. Puis, je suis pas. Enfin, Wolverine, c'est. Attends. Il y en a un des deux qui, quand il se fait détruire, il revient dans ta main avec un coup de zéro. Et l'autre, il respawn sur un emplacement avec plus 2. Je sais plus lequel c'est, ça. Ça peut être cool de mettre Electro ici. Armor à gauche. Oh! Oh ho ho! Joueur qui gagne ici pioche 2 cartes. Après le tour 4. Ah ouais, mais je peux pas mettre Hobgoblin ici, sinon il va se faire détruire une fois qu'il sera là. On va aller mettre Galactus ici, hein, je pense. Donc on mettra Hobgoblin là d'abord. Oh non! Oh, ça nique tout ça. Pourquoi Armor et Cosmo au même endroit? C'est étonnant quand même. Bon bah, lui ici. Hein. Pas nous faire chier celui-là. Alors, Galactus à droite, et au tour 6,
On va avoir l'avantage s'il joue pas là, ça va être chiant ça. Alors je fais ça. Et on termine avec Galactus. Ce serait bizarre. Ouais, là c'était sûr que... Mon chien. Ouh. Oh, le Red Skull qui m'est déroulé là quand même. Oh, je la sens pas cette game. Mama. Je pense que je vais prendre ma retraite là-dessus. C'est le Cosmo Electro, il me rend zinzin. Galactus est mort, ça sert à rien de le mettre là. Lui, il veut pas faire assez de points. Je pourrais Shang-Chi ici en espérant qu'il... Mais c'est débile. Ouais, il va certainement jouer. Mais en vrai, il snap pas, on... Ah, bon. Ouais, c'était certainement un deck Shuri, ça. Bah, Shuri, en vrai, au final, elle a été un peu... Le deck Shuri a été un peu nerf avec le nerf de Red Skull. Hein. Ils ont baissé ses coups. Par contre, en vrai, ils auraient pas dû baisser sa puissance. Enfin, baisser sa puissance et baisser son continu. Salut John. Comment ça va? Mec, j'ai fait mon intro en disant que je m'étais lavé, donc je peux pas jouer à LOL, malheureusement. Désolé mon pote. À part si tu viens en deuxième partie de soirée, on pourra se faire du LOL. Mais bon, je crois que là où tu es, tu n'as pas d'ordinateur. T'as testé au moins ce jeu avant de dire mais fais du LOL. Ah ouais, t'es au taf là. Bah ouais, forcément. Du coup là, tu fais quoi? Tu comptes les grains de riz sur un tas de sable, c'est ça? Ou les grains de sable sur un tas de sable plutôt. Dis-nous ce que tu fais, John. Pour l'explication, le petit John, il est en Australie en ce moment. Il doit être... je crois qu'il est plus 8 heures. Donc tu dois démarrer le taf en fait là. Non? Ou il est moins 8 heures? Je sais plus. En Australie, il fait... Attends. Heure Australie. Il est 5h du mat. T'es en horaire de nuit ou quoi? Ah, mon sunspot s'est pas fait détruire, parfait. T3, on va... wave ici. Une carte de... elle est déplacée. Okay. Bon bah, ce sera pas de Galactus. Moi sur LOL je mets une clip, moi je mets une l'écran en noir et blanc sur LOL. Hein. Ouais. Je suis très nul sur LOL. Mais moi j'aimais bien jouer top. Avec des trucs à la con, genre la Trinité, genre Jax, Trindamer et comment il s'appelle l'autre. Ah, oh, j'avais un troisième, mais je sais plus le nom. Mais en gros Jax, Trinda au top, vraiment Debilus Maximus. Et sinon j'aimais bien jouer support aussi, avec John le Foutre justement. Tu joues à LOL toi Pierre? Tu es dans cette tourmente là? Oh non! Oh mais c'est pas mal au final! Oh mais oui! Let's go! Aïe aïe aïe.
Oh, quelle bénédiction le Aestoride M là. On va se faire un petit ça là. En espérant qu'il joue pas mid. Aïe aïe aïe. Quoi, 3 cartes? Mais j'ai mis Shang-Chi! Mais quel idiot! J'ai encore confondu Shang-Chi et Spider-Man. Oh, le move de bot. Oh, je suis un pur bot. Ah, il a rempli à gauche. Il est zinzin. Pourquoi il aurait rempli à gauche? Mais non, le Johnny qui a pris un abo! Merci, mon amour. Tu es un amoureux de l'amour. Ah, je peux mettre America. Tu fais extrêmement plaisir, John. Ah, il a abandonné. Oui, bon, d'accord, voilà. Ah, ça, ça fait plaisir. Tu es le... je sais plus combien tième. Tu dois être le... Tu es le 11e. Évidemment, tout ça partira dans la drogue, du sexe et compagnie. Merci, mon John. Mais tu m'as pas répondu. Tu fais quoi comme taf, là, en ce moment? En plus, à 5h du mat. J'espère que t'es genre à la fin et que t'es en horaire de nuit. Parce que être réveillé genre à minuit pour être au taf, genre sur les. Enfin, commencer. Enfin, être en plein milieu du taf à 5h du mat, ça me ferait vraiment chier. Moi, je pourrais pas. Enfin, je pourrais pas, je l'ai déjà fait, mais. C'était vraiment pas le fun. Belle main là! Belle main de départ là! Haussmann minibar dans un hôtel sur une île là. Ah ouais, j'avoue que Haussmann, 4h midi, waouh. Mais là, t'as personne là, en vrai, à cette heure-là. Y'a personne qui vient se mettre un Ricard à 5h du mat. Pour être marrant, un live découverte sur LoL avec les deux autres. Oh. Ah, mais je te promets que je tannerai Brice, parce que Nico, il sera chaud. Mais Brice, je vais le tanner dès qu'il a un PC, Windows. C'est sûr et certain que je lui fais télécharger LOL et on fait une partie au moins tous les trois. Oh, ça va être un bonheur. Ça, c'est parfait. Par contre, l'électro ici. Ça tourne bien sur Mac. Ouais, certainement, mais bon. Son Mac, il va finir par... il va finir par transpirer de l'huile moteur, là. Qu'est-ce qu'il joue? Ça se trouve, il joue Galactus aussi, le petit Rick Lee, là. Devinez qui est de retour. En vrai, si on se fait... Ah mais non, John, t'as pas du tout de PC, toi, c'est sûr et certain. Enchantresse. Enchantresse, qui sert à rien. On fait ça, hein. On fait ça. On fait ça d'abord. Non, les 4. On est au tour 4. Je mets ça au 4. Terminé le tour 4. Au tour 5, je mets ça. Oh non, c'est bizarre. Il a combien dans sa main? 5. Ah! Sandman. Oh, il cache un truc là, nous, mais je ne te crois pas. Mon Galactus est grave prévisible à droite. Et en même temps, comment je pourrais jouer ici? Ouais, c'est vrai. Un petit Nimrod ici, là, que j'aurais mis ici. Ou même... Attends, quand tu la joues ici, elle est détruite. T'aurais fait Nimrod là et là. Ouais, j'aurais pas pu mettre Galactus ici du coup. Ah bah si, j'aurais Galactus ici et les deux Nimrods seraient revenus là. Ça aurait été impressionnant. Oh, l'autre fois j'ai record sur mon téléphone parce que la partie était géniale. C'était ma deuxième partie avec Nimrod, avec le deck Nimrod. Et attends, faut que je joue quand même avant. Ah, ça va être chiant ça.
Bon là, je fais n'importe quoi là. Votre fidèle serviteur, Spider-Man. Ah! Ah non, je voulais voir son skill. Et ma partie avec mon Nimrod. Le mec en face joue. Moi, je joue mon Nimrod. Et lui, il joue. Quoi? Oh, je vous montrerai la vidéo. Faut que je la mette sur mon ordi et que je la montre. Il nous joue genre un Wave. Non, Wong, Mystique. Et par-dessus ça, Gambit. Mama. Et par-dessus ça, moi j'avais posé mon Destroyer. Et c'était à lui de jouer d'abord. Donc il me détruit plein de Nimrod que j'avais quadruplé, je crois. Parce qu'il y avait un emplacement qui doublait les effets révélés. Et j'avais mis Shuri dessus. Et ensuite, Nimrod. J'avais un Nimrod à 80. Et il me le détruit à base de Gambit. C'était incroyable. Je terminais avec tous les emplacements pas remplis, mais j'avais genre un emplacement à 140 de points. Pff, qu'est-ce qu'on fait là? Là en soi, j'ai gagné ici. Bon, là je pense que j'ai perdu, hein, mais bon. Tentons quand même. Ah, c'est lui qui joue en premier. Ah! Ah, j'avais oublié le Negasonic là. C'est la première fois que je tombe sur une Negasonic. Je vois pas trop. Enfin, je me vois pas trop la jouer cette carte. Ah, on a une nouvelle mission. J'ai l'impression qu'avec 20 ou plus, jouer des cartes de coup 2. On va peut-être changer, on va prendre du Shuri pour faire des 20 ou plus. On a quoi? Task. Ah oui, Task. Ah oui, il y a le nerf d'aéro aussi. Mais ouais, c'était ça, j'avais joué Nimroyer. Ouais. Ou. Ouais, tu sais quoi, allez, vas-y, faisons du Nimroyer. 4h midi. Gros zinzin, mec. Jamais je ferais ça. Bon, j'espère que t'es bien payé quand même. Mais bon, il me semble que. T'es pas à te plaindre là. Tu le hais carrément. C'est que t'aimes pas le jouer non plus? Ou même si tu pouvais le jouer, tu le jouerais pas? Ah ah ah, parfait, on va Psylocke Shuri. Quoique, qu'est-ce que je disais? Attends, mais en fait, ma Psylocke est. Mais non. Ouais, je vais mettre Psylocke histoire de voir. Évidemment. Oh, Titania. Titania puis zéro dans ce sens-là. C'est étonnant, ça. Oh, sa puissance est doublée. Momo. Bon. Snap. Un Shuri, Nimrod, Destroyer. En espérant qu'il nous embête pas trop. Mais là, son 0 après Titania, je sais pas ce qu'il va nous mettre. Ah oui, je pense qu'il s'est trompé là, c'est pas possible. Pourquoi Ah oui, oh le con. Non, c'est pas grave, je passe mon tour. Ah, il nous fait la même, le chien. On va avoir un x10 x20. Oh non, c'est vraiment pas cool ça. Oh là, c'est. Attends. Ce L détruit va faire plus 10 là. Et c'est tout. 10 là on gagne pas et on a perdu là, c'est une défaite. Bien joué ça aéro là, c'est aéro qui victoire là, mama.
Bah, Destroyer au milieu, il fait 15 et 10. Et là, il met le 10. Est-ce que ça suffit réellement? Parce que à tous les coups, il met un gros pâté ici. Hein. Ah ouais, Titania, elle revient sur moi, ouais. Vas-y, on va la tenter. Hein. En vrai, rends-toi. Eh bah, c'est la victoire, merci, mec. Ah non. J'avais oublié le labo de chouris. Elle est pas jouée, là. Ah non, elle est détruite. Pas jouée, hein, c'est ça. Une copie. Ouais, une copie est ajourée sur cette carte. Est ajourée. Une copie de cette carte est ajourée sur chaque autre emplacement. Ajourée. Il y a une coquille là, non? C'est juste moi qui connais pas la définition du mot là. Ajourée. Le moins 8. Bon. On fait un défi, ça fait plaisir quand même. Hop, hop. Nom nom nom. Allez. Ça, c'est parce que j'ai pas bu assez d'eau, ça. Que t'as mis, là? Oh, pas mal le The Hood là-dessus. Oh, je déteste ça, là. Plan des rêves. On s'ennuie. En plus, tu joues à un deck à la con, là. Allez, super. Bon, j'ai potentiellement Arnim Zola. Alors... Ah, j'ai pas eu Zabou. Si j'avais eu Zabou à la place de Shulk, ça aurait été top. Om nom nom le Venom. Assez parlé, mon pote. Ouais, c'est lui qui revient avec plus de... Il a carnage son Venom. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Là je vois que ça. Hein. Est-ce qu'on essaye de snap ou... Parce que lui au pire il nous fait quoi? En vrai peut faire potentiellement un Arnim Zola sur Wolverine, ça peut être trop drôle. Je sais pas si ça le fait gagner, mais oh le nœud à gauche. Je l'ai pas nœud. J'aimerais bien l'avoir en vrai, complètement. Justement, bah dans le deck Galactus là, ça doit monter des points ça. Je sais pas si... Avec quoi je la remplacerai? Par quoi je la remplacerai? Peut que j'ai une carte ici, ajoute 3 cartes cailloux à votre deck. Oh lolo, l'enfer. Une fois que vous jouez une carte ici, ajoute une carte sentinelle à votre main. Ça va nous blinder la main, ça.
En espérant avoir une bonne carte ici. Parce que depuis tout à l'heure, on n'a pas des super trucs. L'Institut Xavier. Oh là! Ah, on a peut-être un joueur de Cérébro là. Peut-être un Cérébro 3. Oh, Ronan! Mais oui! Mais Gusta! C'est lui qui a l'avantage. Une Psylocke d'abord. J'ai peut-être en fait chouri bêtement. Chouri, Red Skull, Arnim. On va tenter ça. Hein. Oh! Pas au milieu, pas au milieu. Yes! C'est étonnant qu'il joue Juggernaut là. J'aurais peut-être même pu Red Skull ici plutôt. Non mais lui c'est certain qu'il joue Cérébro par contre. Hein. Ah non, on joue en premier. Ah merde, il peut potentiellement Shang-Chi, après ce serait bizarre un Shang-Chi dans ce deck. Le aéro. Ah, bon d'accord. John, tu dis ça pour de vrai ou tu te moques de moi? Je suis sûr que t'as même pas joué au jeu encore, alors que je te l'ai conseillé. On fait une petite dernière de Nîmes. Histoire de voir si on arrive à le détruire quand même, parce que c'est le but du jeu. Enfin, le but du deck. Après, on passe sur Thanos. Pas acheté pour rien quand même celui-là. Zabou, on a Shuri, il nous faudrait Wong. Une fois que carte KO, vous ne pouvez pas la jouer votre première carte ici. Ah, c'est chiant ça. Pas grave. Allez, t'arrives même pas à l'écrire en plus. Salaud. Abonné à Schalke. On vend des craies, nous? On a l'air de vendre des craies? Putain. Bah ça va être Shuri. Ah, moins que je vais mettre un Psylocke ici. Et un Sunspot ici. Histoire d'essayer de gratter des points au milieu. Y'a pas de soucis mon loulou. Pourquoi j'ai 5 d'énergie là? Ah, Ipsal. C'est une spot qui doit prendre 2 points. Par contre il joue qu'à partir du T4 lui, c'est étonnant. Hein. Ouh là, et là qui s'en va. Bye bye Billy Boy. On va se mettre She-Hulk. Ah non, on va mettre Aero et ensuite on mettra Arnim. Ah non, ça va foutre le bordel ça. Si je mets une Aero là, puis il est là.
Autant mettre plus de points et on... Ah bah d'accord, voilà. Ouais, tu joues à partir du T4, hein, dès que Destruction et Taella est fait sauter. Dure la vie, quoi. Alors, Nimroyer, toute mission. Un max de crédit. Mais moi, je veux des boosters pour améliorer mon... Comment il s'appelle? Le moins 8, là. Je vais passer 50, là. 47, normalement, la prochaine fois que j'ai des boosters sur lui, ça devrait le faire. Allez. C'est parti pour des cailloux. Jouons avec des cailloux. C'est où? La petite dans ta main. Des mots avec plus de discernement. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Space, Reality, Odin et Rock? Ah oui. Oh, l'enfer. Alors. Space, Reality. Est-ce que Rock ça compte comme une pierre ou pas? Lol. Est-ce qu'en faisant ça, ça détruit? Ah oui, mais d'ailleurs. C'est totalement bugué le... Je vais vous montrer un truc. C'est là. Hop. Le petit outil là. Vous voyez, ça c'est mes cartes ajoutées. Donc au début c'est normal, il y a bien la Mind Stone, etc. Sauf que... celles qui sont en doublon en fait, c'est les rocs. C'est les cailloux qu'on a... qu'on a chopé à cause de l'emplacement. Et donc c'est un peu bugué ce truc. Mais bon, pas très grave. Ah, on a Leash et on a Wave. C'est top ça. Prochain tour. Attends, mais c'est... Ah oui, c'est lui que j'ai volé. Okay. Prochain tour, vous pouvez déplacer une carte à cet emplacement. T3 Wave, T4 Leash. On va faire ça. Hein. Là, j'ajoute. Ouais, je vais la mettre ailleurs, mais bon, ça sert pas à grand chose la pierre. Là. Iron Fist, oh oui. Le Lich va faire tellement mal, je pense. Ah, ou le... Ah bah d'accord, c'est un abandon immédiat. On retourne 35, alors, ensuite... Talos. Oh, je vais peut-être arrêter la bougie là parce qu'elle est à la fin. Je vais attendre qu'elle soit refroidie pour la retirer. Ah, Leech, Lockjaw, tututut, sous le moins 1. Pioche une carte. Au tour 5, les cartes coûtent 1 de plus. Ah merde. C'est elle qui fait moins 1. On va se la mettre là, là. Allez, donne-moi du caillou, là. Mantis, dans le vide. Pierre, t'es du genre à snapper T1, toi? J'avoue que snap T1, faut vraiment être sûr de sa main, quoi. T2 encore, tu te dis, bah, t'as une deuxième pioche, et en plus, t'as un deuxième emplacement, et tu sais à peu près... Quel deck est en train de jouer l'adversaire selon sa carte, sa première? Ah, juste une carte aléatoire de chaque côté de cet emplacement. Ouais. Ah, on a Wave, super. Donc là, on est sur un David Dino, j'ai l'impression, un câble Mantis. Snap, en fait, tu vois tout en haut ici, il y a les cubes. Et c'est l'enjeu de la partie. Là, Kenzo et moi. On joue pour 2 cubes cette partie. Et c'est ça qui va déterminer notre rank. Et en fait, si tu snaps, tu doubles le nombre de cubes. Alors c'est un peu plus compliqué, genre. Tu peux doubler une fois et ensuite lui aussi peut doubler. Ce qui fait qu'au total, tu peux jouer pour 8 cubes maximum à partir du dernier tour. Et plus tu gagnes de cubes par partie, plus tu grimpes dans ton classement.
Et il faut, par exemple, il faut 10 cubes pour passer de 30 à 31. Et voilà. Oui, je me doute que toi, tu sais, évidemment. T'es le boss, toi. Tu connais ce jeu, tu joues tout le temps. Ah, Dame Warlock. Alors, fonctionne pas, toi, Dame Warlock, là. Tu perds, hein. Salaud. Le Warpass qui ne sert à rien, et Spectrum qui met des petits points sur la Soulstone, ça fait plaisir. Alors, Lich, il a snap lui, non? Ouais, je snap aussi. Donc là, j'ai snappé, et tu vois, prochain tour 4. Donc, bon, enfin, je dis, tu vois, mais toi, t'es un pro, hein, tu connais John. Donc là, au prochain tour, on sera à 4, et au dernier tour, au tour 8, 6, on sera à 8 de trucs. Et là, comme j'ai snap, je peux pas abandonner. Pour ce tour là, pour le prochain tour je pourrais, mais si tu snaps au dernier tour tu peux pas abandonner par exemple. Et on va Lich ici hein. Là, je vais Lich 4 cartes. Oh, il double son Adam Warlock du coup. Ah non, c'est pas un continu Adam. Ok. Ah, pas fun ça. Énergie plus 1 au tour suivant. Donc cet emplacement à un autre et pioche une... On va faire ça. Hein. Donc ça. Et ça. Et au prochain tour, au pire, on joue avec Kyrie. Bah en fait, il peut pas, enfin, pour signifier qu'il est d'accord, il a juste à terminer le tour. Et ça valide le fait qu'on passe à plus de cubes en jeu. Et s'il a 100 pas, et que genre on joue que pour un cube, on est genre tour 2. Typiquement, il peut abandonner tour 2 et ne perdre que un cube. Parce que là, oui, les 8 cubes qui seront en jeu, si je gagne, c'est lui il les perd et moi je les gagne. Et inversement. Potentiellement, je fais ça. Hein. Il met tout à 3. Ah mais ça l'arrange aussi en vrai. Ça lui met tout à 3. Il joue en premier. Il gagne ici et là il a besoin que de 2 points. Rhinestone, puis je le garde d'infinité. J'ai déjà perdu 8 il y a peu de temps. Faut que je réfléchisse un peu plus là. Après normalement ces cartes ont pas trop d'effet. Attends il... Ah, non, il a... Allez. Oh non, il a joué à gauche. Oh, j'ai le seum. C'est perdu. Et le deuxième moins 8. Oula. Je l'ai trouvé là. Allez. Après, honnêtement. C'est pas grave, on est encore en entraînement sur Thanos. Alors, Logjo, c'est cool, Reality, on va la garder. Bah justement pour Logjo. Ouf, ouf. Je sais pas dans quoi il est, dans quel film ou quel univers il est, Logjo. Tu jouais les 6 pierres d'infinité, Thanos, puissance plus. Ok. Ah, typiquement, je peux mettre ça au T7 et ça annule le tour 7. Je peux mettre ça au T6, ça annule le tour 7. Oh non, bah oui, évidemment. Il faut qu'il me.
Cosmo, on le voit dans le prochain Gardien de la Galaxie. Ah, c'est trop cool, ça. C'est vrai, d'ailleurs, Cosmo, il est dans quoi, lui? Il me dit rien non plus. Après, je suis pas un Marvel fan. Seule une carte majeure. Oh. Ouais, potentiellement. Oh non! Ah bah, ça me met bien, ça. Ça va être un abandon, ça, je vous le dis. Bon, alors, on va pas s'embêter. Hein. Oui, bon, en plus, il snap. Il me prend pour qui, lui? Ouais, Rocket, ouais. Logjo? Des 4 fantastiques? Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Y'a pas des animaux bizarres dans les 4 fantastiques? Attendez. De quel univers? Univers Marvel, Lockjaw. Guldor. Lockjaw, en version originale, est un animal de fiction évoluant dans l'univers Marvel de la maison d'édition Marvel Cosmic. Attendez, faut que je vous montre ça, les gars. Ah, voilà. Hop. Un animal évoluant de l'univers. Hein. Mais elle est cursed, cette image-là. Hello, my name is Lockjaw, I like hugs. Wow. Guldor est plus qu'un animal de compagnie, il sert fidèlement la famille royale d'Attilan. Les Inhumains est le nom d'une espèce de fiction évoluant. Créé par le scénariste Stan Lee, oui d'accord, ok. En particulier sa maîtresse Crystal. Ah, Crystal, ça me parle. On l'a dans le jeu, dans Marvel Snap. Mais il est dans aucun film, non? Alias Sparky, origine sympa le cosplay. Elle ressemble vachement à Lockjaw là. Mais ça doit être, elle doit être Crystal là. T'as dû prendre des heures à faire ce cosplay. Hein. Ça doit être très très long, je pense. Super canine à la mâchoire. Téléportation, flair extrasensoriel et extra-dimensionnel. Sens de la précognition dans du danger. Ingestion de matière inorganique. 4 fantastiques? Ah ouais, où ça? Ah oui, Comic Book Fantastic Four. L'argent apparaissant dans Fantastic Four, énorme. C'est que t'as lu les comics, toi, John. Je sais qu'à un moment t'en as acheté. Ou alors, non, c'est toi ou Emilien. Ou tous les deux, peut-être. 4 fantastiques, énorme. Bon. Salut mon chien. Hop, je vais mettre en... Hop. Je vais peut-être me mettre le chat aussi là, ça peut être sympa. Pause. Alors attendez, je change de scène, je cherche un truc. Chat. Hop là. Hop là, hop là. Voilà, maintenant il y aura le chat ici. Donc ça c'était un abandon, hein. Vraiment la game était horrible. Allez, c'est reparti Thanos. Non, c'est incroyable. Lockjaw il vient des 4 fantastiques. J'aimerais bien voir d'où. Parce que pour avoir vu justement bah, les films, ça me dit rien. C'est évidemment des ellipses, enfin des retraits de parties dans les films, mais... Pioche une carte continue. J'ai du mal à retenir les noms des pierres. Enfin, les pouvoirs des pierres. Ah, j'aurais pu Soul ici.
Stone. Bon. Ah, puissance octroyée. Après, je pense qu'il y a Venom ici. Carnage. Mais peut-être pas tout de suite. Ah, par contre, s'il met un Killmonger, on va s'ennuyer là. Oh, c'est certain qu'il met un Killmonger. Wave. Wave, c'est pareil, je vois pas trop dans quoi elle est. On se fait chier là, c'est pas possible. On se fait Cosmo toutes nos cartes là, ça fait 3 games. Oh, l'enfer. Allez, joue à gauche. Ah, dommage. Ah ah. Tente ça, mais je suis vraiment pas certain. Ah, un abandon. Elle avait que 4 cartes dans la main. Alors qu'il nous a mis un beau Professeur X quand même. Et un beau Cosmo. Le son est hyper fort, non? Alors. Time. Bah, j'ai rien pour jouer T2, état, transforme. Ouais, tour 4 déplace tout. Ah ouais, non. Potentiellement, on la mettra là au tour 2, mais pas tout de suite. Non, Mister Négatif, c'est nul. Null aussi et Morph. Faut que je pioche d'autres cartes là, parce que ça va pas le faire. Plus finir, hein. On va faire ça, et toi... Voilà. Morbius. Oh, potentiellement il détruit des cartes avec Morbius. Enfin, pour Morbius. Oh, l'enfer. Oh. Non, Mister Négatif, c'est vraiment une connerie de faire ça. On va mettre Morph, on va se défausser une bonne carte, je vais avoir le seum. Bah, deck Modok, j'aime pas mal, j'ai même acheté là pour ça. Et, mais avec Invisible Woman. Mais au final, j'ai l'impression qu'il faut vraiment prier pour avoir une sortie parfaite. Pouvoir se mettre le Modok, puis la Ella par-dessus. En ayant eu Invisible Woman avant, du coup. Oh, pas mal c'est sorti là. Il a un Squirrel qui lui revient dans la main, quoi. Lui, il vaut quelque chose ou pas là? Non, il vaut rien. On va Leash. Mais carrément chaud, mec. Tu joues. Mais mec, envoie là dans le chat ton deck si tu veux. Ouais. Ouais.
Le Dracula. Mais nul là, on est d'accord. Il y a aucune carte qui a été détruite là. Toutes les cartes détruites pendant cette partie. Ouais, donc non, ça sert à rien. Votre adversaire a utilisé le snap. Ah. Potentiellement, il se met un Modok. Ah oui, ouais, là-dessus, ça peut être chiant. T'as Discord ou pas, Pierre? Ben, si tu scrolles un peu sur la page Twitch, tu vas avoir le lien vers le Discord de Schlack. Et tu rejoins et puis tu devrais me trouver quelque part dans la liste. Oh, Apocalypse. Oh non! Je gagne là. Ah oui, je gagne. Je vais l'ouvrir Discord du coup. Hop. Mon petit victoire, on est 34. On est toujours pas. On n'a pas beaucoup monté. Hein. Ouais, et je crois que d'ailleurs même j'avais fait un deck. Mais je l'ai viré, ça me saoulait. Justement parce que je trouvais qu'il fallait vraiment une sortie parfaite. Ouais, ça aura un deck toxique. Et lui, là, tu disais que t'aimes pas des Ella. Mais ça, c'est vraiment le genre de deck qui peuvent te faire qui peuvent te donner envie d'arrêter de jouer pour la journée. Hein. Quand tu te tapes une bonne sortie là-dessus, en tant que. À l'opposé, tu peux vraiment être triste. Alors, révélant en premier, après chaque tour, les cartes posées ici se battent. Ok, oh, on a Wong, on a Mystic, on a Magic. Et Odin, c'est pas mal du tout en vrai. Il nous faudrait Zabou. Là, faut tirer Zabou maintenant, genre. Yes, un caillou. Un caillou! Ah yes, bah il nous Iceman le Wong, ça va être marrant ça. Bon, je crois que la game peut pas être marrante en fait. Ah, bah au pire... t'es sur ton Mac. Comment tu pourrais me le partager? T'as un compte... Snapfan. Sinon t'écris les cartes dans le chat. Hein. Un peu long mais. Oh il me Falcon pour pas me donner de cartes. Sacré chenapan lui. Ça va être une game de merde là, je le sens. Allez, ça va être un abandon hein, pour cette game. On va essayer de mettre Wong. Ou alors on fait Gambit T5. Ensuite, T6. Attends, Gambit T6. Ah mais non, Gambit T6. Non, ça va pas le faire. Putain, c'est dommage.
J'aurais voulu mettre Absorbing et Odin. Oh la vache! Et gros, il joue du Falcon, du Beast, c'est quoi ce... Non bah mon Wong c'est bon, hein. Je pense que je vais pas le jouer, hein. T'inquiète pas. Super, Wong en 6-2 quoi. Puis un Wong là, c'est un Gnou. Gnou, bah toi t'es marrant toi, j'ai plus Azmat. T'arrives un peu tard. Hein. Donc... Après il va jouer plein de petites cartes à la con, ça va être horrible. On va tenter des trucs mais bon... Tant qu'il snap pas, on joue mais... Évidemment. Ce sera à 10. Votre adversaire a utilisé le snap. Ouais, ça suffit là. Sortie horrible. C'est un abandon. Juventus. On se la retente. Parce qu'en vrai, j'aime bien ce deck, il est marrant. Je vais voir sur Discord si t'as réussi à te débrouiller. Non. Alors. Un scrim en DM Insta sur Schlack. Parfait, ça marche. Très bonne idée. Hop. C'est qui lui? Ah c'est... ok. Deck Modok. Alors je regarde ça juste après. Oh Zabou, c'est pas mal ça. Alors pas là, une fois que vous jouez une carte Ivernia mode deck. Je l'attente. Alors ton deck on a Morbius, The Collector, Swarm, Colin Wing, Lockjaw. Oh Lockjaw. Moon Knight, Lady Dracula, Elko, Modok, Apo, America. Ok man. Ça va être complexe comme deck. Alors, les cartes coûtent un de moins quoi. Pensez que vous pouvez déplacer. Hein. Pourquoi elle coûte moins? Ah oui, c'est Zabou, je suis bête. Normalement ça devrait être froid ça. Hop là. La bougie est rentabilisée. Ah oui, je vais prendre celle-ci. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Alors, restons concentrés. Il nous a lâché plein de pierres. Oh, Gambit, ça va pas être une bonne idée en vrai. Je peux potentiellement faire Absorbing. Pour absorber Iron Earth. Hop là, la petite bougie en plus.
Qu'est-ce que c'était ça? Je suis. C'est qu'il a joué toutes ses cartes, c'est ça? Oh l'enfer. Après je pourrais jouer Azmat aussi hein. Ah mais Gambit il va me... 100% il va me prendre Azmat. Il va me prendre Odin. Au tour 6 potentiellement je mets Yondu ici. Et Odin là, si j'ai pas Odin qui a été supprimé. On espère ça. Oh le Lich. Oh, c'est pas fameux non plus hein, parce que lui il va rien faire du tout. Juste mettre 4 points en plus. Je vais mettre là. Ça fait 8 et ça sert à rien. Ça fait... Ouais non ça fait pas 4 vu qu'il y a elle. En fait c'est une révélée. Mais en même temps c'est une continue parce que le Thor il va prendre son moins 1 je crois. Fais face à la puissance d'Asgard. Ah, ça me met mal ça. Après, il est en moins 1, 1. Faire 0. Ah ouais, il a gagné. C'est quoi ça? Tu veux juste dire qu'il peut mettre son Thor en... au maximum? Ah, c'est dommage. En plus... Ouais, non. Ouais, j'étais à 5. Ouais, j'avais perdu partout. Alors, ton deck, c'est quoi? Parce que ton deck... Il me fait un peu peur, moi. Morbius Collector. Swarm, Colin Wing. Colin Wing, je déteste ça. Ah, mais Colin, c'est pour détruire Swarm, je suppose. Logjo, Moon Knight. Ah, je suis pas fan, moi, des decks défausses comme ça. Ah, ça me fait trop peur, moi. J'ai toujours l'impression que j'ai pas de chance et je vais sortir un... Un truc de zinzin là, enfin sortir. Justement. C'est un délire. C'est pas plus opti. Tu me vends pas du rêve là. C'est bien joué, t'as pas de hasard. Ah ouais. Ouais, après je suis d'accord, enfin tous les decks sont bons, mais. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression que c'est du... Tu sors mal tes cartes. Ou alors faudrait que tu m'expliques comment tu joues. Mais alors à l'écrit ça va être un peu chiant. On joue contre Floki. J'ai passé infini avec. Ding. Je me vois tellement pas jouer ça. Oh oui. Oh oui mon poulain. Ouh. Le deck qui m'avait bien fait monter, c'était deck contrôle Serra. Ça, c'était vraiment puissant. Tu termines toute la partie, tu te fais un peu mener. T'es 5, tu mets Serra. Et t'es 6, c'est toi le boss. Alors, Electro, après tour 5, ajoute une carte aléatoire de chaque côté de ton placement. On peut mettre Electro ici. Hein. Plus de 1. Cette carte est déplacée ici. Bon, bah, autant la mettre là, ça ne changera rien. Allez, on croise les doigts pour pas se faire Cosmo cette fois-ci parce que sinon ça va vraiment m'énerver. Et quand je dis vraiment m'énerver, ça veut dire que je vais faire oh zut, et puis c'est tout. D'ailleurs, en parlant de faire découvrir
à Nico et Brice LOL, je serais chaud de jouer avec eux. Ah oui, pour le... Ouais, bah moi je faisais sans Mysterio au final. Je faisais avec... Je sais plus quelle carte. Ça le faisait aussi. Ah, avec Lizard. Mais c'est vrai qu'avec Mysterio, tu peux t'amuser aussi. Tu mets des potentiels points un peu partout, là. Why not? Ouais, j'aimerais bien jouer avec les deux Ozio. Là. Oh non! Oh, le Rock Slide en 8, ça c'est pas cool. Ah mais oui, mais dégage. Parfait. Donc moins 8-0. Galactus. J'ai l'impression que c'est que Galactus ou... Après là, c'est un délire quand tu connais... Il y a trop de trucs à savoir. Ah oui, c'est clair. C'est clair que LOL, baf. C'est... Oh, un Serra. On est sur un Serra Rock Slide. Ultra bizarre. Déjà comprendre le fait qu'il y ait des lanes, qu'il faut rester sur les lanes, qu'il y a des bots, des tours. Quel enfer. Alors on joue en premier. Serra, c'est certain qu'il nous met un Shang-Chi. Pour 4 sorts fois 160 champions. Ouais. Plus des passifs, plus les items. Oh oh oh. Oh le Devil. Ouh, on a eu chaud. Mais je pensais qu'il allait nous sortir un Shang-Chi. Bon. Ouais, surtout... Mais ouais, les items, en plus les items avec des passifs, oh l'enfer. Ah oui, on a le Hobgoblin enfin. J'attendais ça. J'ai l'impression que l'animation de quand tu passes une carte a été améliorée. J'ai trois petits coffres à ouvrir, on s'ouvrira ça après. Monte à decklist, contrôle. Ah oui, alors deck contrôle, j'en avais fait une que j'ai pu. Et plus tard, j'avais fait celle-ci, une variante avec Silver. Qui est pas trop mal non plus en vrai. Tu veux avoir des cartes en 3, avec du Wong et du Silver. Si t'as pas Wong, tu mets Absorbing Man par-dessus Silver. C'est pas mal du tout. Zabou évidemment pour mettre tes cartes 4, moins chères. Et puis après les essentiels d'un contrôle, Cosmo, Killmonger, Aero. Et Goose aussi. Ah alors Goose, je crois que c'était pas ça de base. Goose, je crois que c'était pas ça de base dans le deck, donc ça tu t'en moques. Ah et par contre t'as pas Silver, donc ouais. Mais c'est simple, le deck contrôle de base que j'avais vu, c'était celui de The Fichu. Je sais pas si tu le suis sur Twitch ou sur YouTube. C'est un boss français de à la base, je crois qu'il faisait du Hearthstone. Ouais, voilà. Ouais, bah voilà. Bah, tu regardes son deck à lui de contrôle Serra et. Ouais, je connais Hearthstone. Et tu verras le deck de base. Juste, j'avais pas Mysterio, alors j'ai mis. Comment il s'appelle ? Lizard. On va... Ah oui, c'est vrai. Hop, hop. On va améliorer une petite carte aussi pour avoir le deck... Mais tu vas voir, c'est vraiment trop cool à jouer. Tu te fais mener tout le long de la game, tu vois quel deck il joue. Tu peux prédire exactement ce qu'il va jouer à la fin, et puis une fois que t'as sorti... T'as eu Zabou, t'as eu... comment ça s'appelle ? Serra. Ton tour 6, il est explosif. Bon, après, l'inconvénient, c'est... comment il s'appelle ? Sandman. Parce que lui, bon, il truine un peu la game, quoi, à la fin. Parce que vraiment, tout ton déclencheur, c'est ta Serra et ton tour 6. Lui, on va pas l'améliorer. Oh, bah ouais. Let's go.
Ah ouais, en poule 2. Sans Serra. Attends, mais deck poule 2 sans Serra contrôle. Qu'est-ce que t'as dedans? Qu'est-ce que t'as là-dedans? Il ne reste que deux. Merde. Tum tum tum. T'as gavé de T1. Comment ça, j'ai beaucoup de T1. Ouais, j'ai mes T1 quoi. En vrai, je mets en énergie, mais ça change rien. Non, mais dans le deck contrôle pool 2. Ah, ok, pardon. J'avais pas compris. T'as T1 dans un deck pool 2. T'es chaud de m'envoyer un screen si tu l'as. Pareil sur Insta, je regarderai. Ça peut être marrant. Parce qu'en vrai, je pense que. Là, c'est bon. La dernière saison, j'ai vraiment pas tryhard. Là, va falloir que je tryhard. Parce que je pense qu'une fois que je serai infini. Parce que ça va le faire. Le fait de redescendre à 70, ça me plombera un peu moins le moral. Parce que techniquement, aujourd'hui, 70, c'est le plus haut où je suis allé. Putain, il a la agent 13 en noir. Elle est trop belle. Les cartes ne réduit le coût des cartes de 1. Oh, mais c'est parfait. Alors, plus 1. Plus 1. On va mettre un Docteur Octopus. On va éviter sa petite main là. Je vais essayer d'aller ouvrir ça. Hop. Comment le shifter? Dexo. Ah oui, Zo. Ah oui, Khazar, Blue Marvel, ok. Mais c'est pas contrôle ça. En quoi tu contrôles avec ça? Ah ouais, si t'as du Iceman, Shang-Chi, Enchantress. Ouais. Ouais, pour du pool, enfin du T1, pool 1, ouais, c'est pas mal. C'est que du pool 2, ouais, c'est ça, ouais. Eh, la snap? Mais grand fou. Allez, il a plus qu'un emplacement. En espérant qu'au mid il gagne pas trop. C'est vrai que son bishop il peut mettre encore un point. Oula! Je suis Iron Man. Ah ah! C'est pas drôle ça. Ah. Mais l'enfer! Qui joue ça? Moi j'ai pas Shang-Chi en plus. Bon, je pense que j'ai perdu hein. Allez, let's go. J'ai tellement perdu cette game. En plus avec Electro on peut jouer qu'une carte. Oui bon c'est perdu ça hein. Je reconnais. Oh le double Agatha là. Un 28 x 2. Bon. Confirmons. Petite défaite à 2. Ça va. En vrai, revoyons ce deck là, il a l'air marrant. Dexo, alors Ant-Man, Squirrel, Sunspot, Iceman, Nightcrawler, Angela,
Bishop, Fantastique, Shang-Chi, Enchantress, Khazar, Blue Marvel. Et oui, les Killmonger, ça c'est pas drôle. Ouais, c'est vrai que t'as pas de Cosmo ou de Armor là-dedans. Ouais, non, y a pas. Ouais. Potentiellement, Cosmo ou Armor, ça t'aurait protégé, mais là, tu es à poil. Ouais, c'est ça. Tu joues TT un dernier tour, mais... Ouais. Mais du coup... Ah oui, non, t'as ton Khazar 4... Et Marvel 5. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, bonne main de départ. Les rues se déclenchent deux fois. Ouais. On s'en moque un peu. Queen Jett. J'aurais bien aimé débloquer Thanos à l'époque de Queen Jett. Parce que Queen Jett, c'est la première carte que j'ai chopée dans le Token Collector. Et là, comme ça, on se dit, bah, c'est débile. Et oui, c'était débile. Parce que c'était juste pour avoir une carte continue de coup 1 dans mon deck continue à base de... comment elle s'appelle? Celle qui fait plus de cartes continues, là. Et... C'était vraiment la seule justification. Et le prix était vraiment élevé, genre 3000 tokens, je crois. Et aujourd'hui, c'est regretté. Ouais, Spectrum. Ah, ça peut être un wave. Wave ici. Et on... Il y a moyen qu'on mette... Si on met une carte ici, on joue Galactus ici. Mais je pense qu'il va s'établir un peu à droite et à gauche, voilà. Ça aussi c'était mon premier deck, le deck Spectrum continue. Ah ouais, par contre gros, s'il me prend toutes mes cartes, on va commencer à se faire chier là. Si je peux plus jouer... T5, on met Speeder. Ouais, ça devrait le faire. Mais là, s'il voit genre Death et Electro, il va se douter. Hein. J'avais pas compris tout à l'heure quand tu l'as demandé... J'attends pour acheter Galactus là. Ah oui! Ouais, ok, d'accord. Ouais, Galactus c'est vraiment rigolo. Bah là. Une fois que t'as tout ton. Enfin, au moins Electro et Psylocke, après tu peux vraiment t'amuser. Surtout que t'as déjà Wave, tu m'as dit. Bah tu me diras si tu préfères à la place de Maximus avoir. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Tu m'avais proposé Wolverine tout à l'heure. Oh le gobelin. À ton âge, tu m'aimais mon propre gobelin. Bah là, il suffirait que je snap. Ah non, mais attends, 3. Normalement, il abandonne là. Il a pas abandonné. Victoire. Il est fou lui. Wave. Ah, attends, je voulais aller voir justement moi. Qu'est-ce que j'ai en... Alors oui, celui-là c'est celui que j'ai gardé. Oh Dagger, non mais sérieux. Ça m'intéresse pas du tout, je joue pas mouvement moi. Ouais, j'ai mis Black Panther, je sais pas trop pourquoi, mais... En vrai, je vais l'enlever, je pense, Black Panther. Pour prendre une autre carte, une carte avec un gros coup. Tant que je peux... Tant que j'ai pas toutes mes T3. Et que les tokens qu'on débloque dans les coffres sont doublés. Ouais, je vais le déséquiper. Ah, ça se met par rapport à ça. C'est partout pareil en fait. Et j'essaierai de prendre une bonne grosse carte. Base de
de T5 là. Alors, qu'avons-nous là? Oh, c'est pas mal. Après le tour 3, ajoute une carte aléatoire de chaque côté de cet emplacement. Alors, un instant, je vérifie un truc sur l'ordi. Hop là. Hop là, hop là. Alors, Electro, tu vas te placer... là, étant donné que là, on va avoir une autre carte, et lui, il va mettre des gros points ici, on va tout détruire. Moins 3. Oui, il met des slogs ici. Surtout des slogs sur Bucky, c'est trop bien. Ah, oh, est-ce que ça prend que 2? Ah ouais, oh, c'est horrible. Trop triste. Oh ouais, on va faire ça, je crois. Oh non, il m'a Green Goblin, le petit con. En espérant toper Death au dernier tour. Ah bah non, on va avoir America Chavez, évidemment. Alors, on a l'avantage. Ah ah. Il joue quoi là? Deathlock. Ouais, potentiellement il joue Death plus un truc là. C'est horrible. Tu vois, c'est ça que permet Maximus. Tu fais Maximus Wave au dernier tour et t'as quand même un peu plus de points que, qu'avec America Chavez. T'en as un de plus et en plus elle est pas détruite. Alors 100% il nous met. Comment elle s'appelle? Death et autre chose. Oh, Warpass. Et Colossus. Eh B. Il est bizarre son deck par contre. Ah ouais, non, il voulait clear. Non, il est pas bizarre en vrai, ça va. Je reviens sur ce que je dis. 300. Ouais, non, je vais pas prendre de tout maintenant. Galactus. Et je pensais tout à l'heure par rapport à faire jouer Nico et Brice sur LoL. J'aimerais bien un jour que un des deux, peut-être Nico au début, vu que lui il connaît un peu plus le jeu, je pense, et il joue un peu plus que Brice, essayer de se faire une soirée défi. Vu que maintenant on peut jouer l'un contre l'autre, à différents decks. Ça peut être marrant. Et ça peut être l'occasion aussi de tenter des decks un peu bizarres. Vu que tu perds pas des cubes, tu perds pas ton classement. On a une bonne main là. Electro, hop, Galactus. Il nous a détruit quoi là? Non, il s'est détruit Black Cat. Oh, elle était belle ça, Black Cat. Les cartes jouées ici ne sont révélées qu'à la fin de la partie. Ah. Ah ah. Potentiellement, tu mets Hob, puis Galactus. Et en se révélant, il va y avoir Hobgoblin qui va se révéler, il va passer là. Et Galactus sera tout seul. Mais c'est pas suffisant. Et oui, et lui, il va me flou d'ici, je vais pas pouvoir. Oh là là. On va tenter ce que j'ai dit au mid, mais bon, j'y crois pas trop là.
Ok, Maximus, pas très grave. Blue Marvel. Ou alors on joue pas un... On joue pas Galactus. Ouais, faisons ça. Oh, il joue. D'accord, ça va pas prendre. Ouais, voilà. C'est pas... Ces emplacements là, ils sont en train de me retourner le cerveau là. Oh. Ah bah. Ah bah, la main elle est vide là. Tentons ça. Mais normalement, c'est que sa seule carte. Peut-être qu'il va essayer de jouer ici. J'espère que mon moins 8 va suffire. Oh, il a passé son tour. Oh. J'espère que c'est une petite carte qu'il a. Parce que s'il me bat avec son Dracula, j'ai vraiment le seum. Tous les coups, ça va être un finote. Vraiment, il y a de grandes chances que ce soit un finote. Hein. On a encore eu de la chance. Bon, pour deux malheureux points. Mais c'est déjà ça. Bon, repassons 5. 35, pardon. Tum 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 tum. Hop, voilà. Alors, oh, la main de départ est pas ouf. On a quand même Galactus. Mais ça suffit pas trop. Hein. Carte de coup 1, 2, 3 ne peuvent pas être jouées ici. Ok. Carte posée ici ne peuvent pas être détruites. Ok. Alors on a Death. Et au tour 3, on va choper Electro et là, ce sera parfait. Croisons les doigts. Oh, ça tombe à pic, ça. Alors, Galactus, Shang-Chi, Spider-Man, qu'est-ce qu'on peut se mettre? En vrai, on va juste poser Wave ici. Pour mettre des trucs en plus pour... Quoique. Si, non, non, non. Les poser ici ne peuvent pas être détruites. Ah, pas jouer Death, je pense. Ou alors je fais... Ouais non, je suis plutôt Galactus là, et T5 je mettrais Spider-Man. Non mais non. Ce Spider-Man, enfin Sunspot, il peut mettre des gros points à la fin en fait. Ah mais j'ai un Galactus en 6, c'est vrai. Par contre, ma Death, elle est chier dans la colle, là, en 4-9. Enfin, du coup, elle va être en 6-9. Non, elle va être en 6-9. Ça, c'est triste. Enfin, pas le 6-9 en soi, mais... Sur une carte, c'est chiant. Ouais, jouons ça. Le son est vraiment top. J'ai mis le truc sur ma soundboard parce que c'est...
Je peux rien jouer. Le con. On va passer, hein. On va passer, au pire on met Octopus à la fin, mais... Oh le con, j'avais pas pensé à ça. Oh le Taskmaster en zéro. Bon c'est perdu je pense, hein. Il va me Shang-Chi la gueule. Voilà. Celle-là, j'ai vraiment chié dans la colle. Qu'est-ce qu'on peut se faire maintenant? Changeons un peu. Oh, Shuri Zero, il aime pas ça. Il va nous faire un caca nerveux. On va laisser. On va rester sur un Imroyer. Il faut vraiment qu'on mette en place des actions de points de chaîne. Genre. Oui, c'est ok. Genre changer de deck. Genre... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme action de point de chaîne? Des trucs qui pourraient nous handicaper, genre pendant l'émission, genre... Brice n'a plus le droit de parler pendant X temps. Interdiction de faire je ne sais quoi. Genre pendant l'émission, ça pourrait mettre des situations un peu... malaise. Psylocke. Mm-hmm. Ah oui, mais je suis sur Nimroy. Alors. J'ai juste rien joué ce tour-là. Et T3. Non plus. Oh, oh oui. On peut donc Shuri maintenant. Ou alors on Shang-Chi. Au T4 on Shuri. Ça on a pas l'air d'avoir Nimrod donc on va pas le détruire. Ah ouais il a 0 sur Titania ouais. Titania carte que je n'ai pas non plus. Titania aussi nommée Titania. Vous aurez remarqué pourquoi. Ah, au tour 5, les cartes coûtent une de plus. Oh l'enfer! Ah ou. Attends. Ouais, non, je vais faire ça. Oh le vision! Là, j'ai perdu là! Ah mais non, il y a le truc en plus, c'est bien ça. Faire ça pour avoir un 26 là et je vais Shang-Chi. Je vais Arnim Zola. J'espère que ça passe. Oh le Red Skull. Tous les systèmes, pareil. Ah oui, mais je suis sur mon Nimrod. En vrai, ça ressemble un peu à un deck Shuri. Zéro. Oh là. Oh, bon, c'est perdu, ça. Ah, quoique... Ah oui, c'est perdu. Eh, attends, mais non. Victoire. Mamacita. En vrai... C'est honteux. Gagner comme ça, c'est un peu honteux. On repasse 35. Oh, et lui qui grimpe, bien. Hâte de le passer 50 aussi. Ouais, la chatte, hein. Clairement. Qu'est-ce que je voulais... oui, non, en fait... C'est quoi, Kazoo?
Ouais. Ouais, ce deck Kazu qui... Non, il ressemble pas trop à ton deck. À part le fait qu'il y ait Khazar et Blue, mais non. Y'a quoi là-dedans ? Ouais. Ah, ça peut se tenter en vrai. Vas-y, go jouer ça. J'ai pas l'habitude de le jouer. Mais c'est pas grave. On va essayer de faire un truc marrant avec, à base de Death Taskmaster. Alors, Deadpool. Quand une carte est déplacée ici, puissance plus de cette carte, ok. J'ai rien qui déplace, moi. Non. Deadpool. Queen Jet. Oh, ouais, stylé son image d'Arnim Zola. Arnim Zola, c'est pareil, je sais pas d'où il sort, lui. Je regarderai plus tard. Hop. Oui, toi, viens là. Attends. J'ai 3, qu'est-ce que je peux faire ? Essentiellement Killmonger déjà. Autant que je mette ça d'abord. C'est mieux que je fasse ça. Non, potentiellement il va y avoir d'autres cartes de T1. Il faut que j'attende. Yeah boy. Yeah boy le Cosmo. Ça ressemble à un autre emplacement. Ok. Ah par contre le Wolverine s'il tombe au milieu j'ai le seum un peu. On va faire ça et on mettra des slots après. White Queen. White Queen. Sérieux? Putain, j'ai le seum là. Ouais, je vais me surer, juste sur N, je pense. J'attends juste qu'il snap. Et comme ça, ça sert à rien en plus. Je fais ça. Il me rend des cailloux là. Je tasque ici pour avoir mon deathlock. Oh, c'est tellement perdu. Arrête pas encore au cas où il se trompe et il clique sur abandonner, mais bon. On n'y croit pas trop là. Hein. Des emplacements pas en notre faveur. Ça arrive. Il faut savoir abandonner. D'ailleurs, Pierre, t'as eu ta feuille de. Ta feuille de comment ça s'appelle de stickers, je sais pas si vous, il a prévu de te l'envoyer par la poste ou quand vous verrez. J'ai rien reçu. Aïe. Non. Ok, après fusionne vos cartes ici en un seul symbiote. Mais gustas tout ça on te c'est clair. Elle est où? C'est honteux. Sabre Toast. On va se mettre un petit.
Mettons-en un juste au cas où. Histoire d'avoir un petit Hulk ici, même si potentiellement il peut le Shang-Chi. Alors. Ah oui, mais symbiote, c'est un de vie. Une gracieuse, une copie de cette carte à la main de votre adversaire. On va faire ça et on va déslock par-dessus après. Oh le Wong! Ah mais oui, mais non, c'est nul du coup. J'aurais dû le détruire avant, j'ai oublié ça. Je suis bête, je crois que c'était au tour d'après encore. Bon. Lalalala. Votre adversaire a utilisé le snap. Ouais, je suis foutu là. J'abandonne ça. J'ai merdé. J'ai vraiment pas joué ce que je voulais jouer. Et en fait, je suis peut-être débile de changer de deck aussi souvent. C'est pas la bonne chose à faire. Galactus. C'est tout. Voilà. Allez, me semble. Hop. Ah, le son est à fond pourtant. Ok. Alors, une fois que vous jouez une carte ici, remplissez l'emplacement de cette carte. Ça peut être marrant. Mais j'ai pas envie de la tenter. Très bien, plutôt un électro dessus. Octopus là-dessus? Sur le bar sinistre? Ça me fait 40. Oh bien ça, ça m'arrange. Ah oui mais je suis niqué là. Parce que ça on va pas l'avoir. Bon, ce sera pas une game Octopus, hein. Une game Galactus. Ouais voilà, joue pas la gala. Joue pas la gala. Bombastique. Ah. Oh, ça lui vide la main. Oh, le Sentry. Bonjour à vous, Titania. Oh non. Oh oui, bah oui, super, on a Galactus dans la main. Ouais, bon c'est... Votre fidèle serviteur, Spider-Man. C'est bof, hein. Je sais pas ce qu'il va avoir foutu ici, là. C'est une autre carte ici. À la fin du tour, cette carte est détruite, mais il y a armor. On la joue ou pas? Moi je pense qu'on abandonne ça. C'est certain qu'on perd là. Là il a deux belles cartes. Et là il peut Shang-Chi à tout moment. Pour la science, c'est mes 4 cubes là. La science. Titania. Il a quoi? Il a 3 cartes dans la main. Là en vrai, il a. Je sais plus. 6 moins 8. Là j'ai 3.
plus 9. Parce que là, il suffit d'un Shang-Chi et je perds. Et là, jamais je gagne. Non, non, il y a Shang-Chi ici, c'est fini. C'est chaud, Olive. Ouais. Je préfère aussi, ouais. Là, en fait, il suffisait juste d'un Shang-Chi. Hein. Et vu le type de game... Ah, c'est horrible le son. Où le mec joue Sentry. Avec un Void. Genre de mec qui joue ça avec un Viper, tu vois. Il t'envoie un Void Viper, là. T'en as à combien, là? 34, 8. Bon, ce soir, arrivé 45, ça va être difficile. Je compte pas jouer encore 2-3 heures, donc... Ni une, d'ailleurs. Mais taper le 45, là, ça va être difficile. C'est un peu le défaut aussi de Galactus, parce que quand tu gagnes, bah, tout le monde sait que t'as gagné, et du coup, le mec abandonne et tu prends maximum de cubes, quoi. Seules les cartes de coup 6 peuvent être jouées ici. Après le tour 5, puissance plus 2 aux cartes ici. On va jouer ce spot là. Oh, armor. Exactement. Un vrai cube de merde. Mais c'est marrant. Si t'arrives à abandonner assez vite, bah tu gagnes des plus 2, des plus 2, des plus 2. Tu perds un moins 1. Puissance plus 5 aux cartes ici. Ok, tac tac, wave. Ton deck pool 2? Comment ça? Ah ouais? Tu touches à ma sensibilité là. Tu touches à ma sensibilité. Wave, Psylocke, Maximus. On parle de ton Kazoo, enfin ton Zoo contrôle là. Ah oui, le lizard qui passe à 10 là, Mazette. Ça va encore pas être une game Galactus. Oh, le professeur! Est-ce que si je passe, mon sunspot gagne des points? On va voir ça en jouant juste Maximus. Oh, il joue clos en plus, non mais on s'ennuie là. Bon, Sunspot a pris des points quand même. Potentiellement il a pas de... Ah mais j'ai l'avantage. Après qu'il tape un 23 au middle, ça va être dur. Or, il le fait. Red Skull. Oh, le chien. Bravo à lui. Il a des snaps ou pas? Non, il a pas snap. Bon, tu sais quoi, on va se le faire ton deck. Hein. Tu nous parles comme ça là. J'ai tout ou pas? Oui, j'ai tout. Oh, il a l'air trop sympa ta variante Bishop. Ouvrir l'image. Oh merde, non, attends. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Hop. Je vais vous montrer ça. Hop. Hop, hop, hop. Plein écran, c'est quoi déjà? Écran de bureau. Normalement. Hop. Ouais, ta variante de...
Est-ce que je peux zoomer un peu plus quoi? Elle a l'air trop sympa la Bishop là. Hop. Il est où? Ici toi. On va se faire le deck. Tu vois, on va même l'appeler. Color. Et on va mettre ça. Allez. Ok, on va mettre ça pour rappeler que c'est un deck un peu zo. Ant-Man. Squirrel. Sun. Ice, ice, ice. Nightcrawler. Nightcrawler, j'ai aucun skin, j'ai trop le seum. J'aimerais bien avoir un skin sur Nightcrawler. Angela, je l'adore. Et j'ai une variante magnifique, je trouve. Bishop. Bish. C'est un 3. Il est là. Mister. Chang. Où es-tu, où es-tu? Ah, l'autre fois j'ai eu ça d'ailleurs. Un peu bizarre, mais c'est marrant. Chante. Kazur. Et enfin, le blue. Attends, color, ça s'écrit bien comme ça au moins. Alors, tu m'as dit. T2. Ça arrive souvent, tu joues rien T1 ou T2. J'ai une variante de Moon Knight, c'est la plus belle carte du jeu. Mec, envoie un screenshot. Hein. Ou alors, dis-moi son nom si tu veux, je la chercherai. Super Skrull. Alors, essayons le Colour. C'est pourquoi Colour LTD? On dirait genre. Color ENT, genre entreprise. Mais je suppose que c'est pas ça. Alors là, le but, ça va être du Angela T2, du Bishop T3. Oh, bah pourquoi ça a sauté mon truc là? Reste là, toi. Ah, tu fais de la musique, Pierre? Ah. T'es juste fan des musiques qu'ils produisent? Enfin, des musiciens qui produisent? On va se mettre un Knight pour le mettre à gauche. Même si c'est pas le but de mettre les cartes de terrain au début. Faut pas le faire ça au début. Ah! Ah! J'aurais dû le faire genre T5. Et le sunspot ici, tu me. Ouais, bah non, il va me sortir une T1 lui. Il y a de peu de chances qu'il me sorte Khazar. Ah oui, ok. Attends, Colin Wing a détruit son Swordmaster et il a sorti Morbius, ok. Ah oui, mais ça va rien faire du coup, parce qu'il va se faire enchaîner. Ah, Morbus, c'est un continu. On va pouvoir l'enchanteresse, ça. Carte sans effet ici, ça peut être bien, ça aussi. Lady Sif. Ah, qui reconstruit son apocalypse, qui est super stylé son apo. Ah, ciao Modok. Je pense que Morbius, on va le surprendre sur la fin, Enchantress. Et on va se mettre un Iceman. En espérant qu'il sorte genre Bishop. Ant-Man, j'ai le seum. Dracula, c'est pas une continue par contre. Ouais.
Est-ce que je fais dans ce sens-là ou dans l'autre sens? En même temps, c'est la première que je la découvre, c'est sûr que c'est pas ouf là. Enchantress. Ah! Attends, c'est vraiment sa carte la plus faible. Il va mettre il va poser ses deux cartes ici et il va mettre son Dracula qu'il va prendre, je pense. Qu'est-ce que tu me conseilles là? Abandon, non? Parce qu'au milieu, je gagne pas. Ouais, live. Ouais. Mais pas encore quand même, on sait jamais, mais. Wolverine est mon animal totem. Récompensez-moi. Bon, cette fois, je fais pas la bêtise de jeter ma carte T1. Khazar. En image. Ah bon, Iceman, oui, tu m'as dit. Iceman, on peut, pioche deux cartes. On a Khazar, on a Bishop. C'est une bonne main, ça. Ouh, Angela. Parfait, là. Ah, pas après le tour 4. Est-ce que je mets Sunspot sur Angela? Ou je mets d'abord Bishop ici? Pour mettre des points. Ouais, je mets d'abord Bishop. Ouais, voilà. Watu. Oh, il est trop stylé son Watu. J'adore. Alors, on peut Enchantress ici. Qu'est-ce que t'en penses-tu? Enchantress là. Je ferai pas ça. Ok, man. Mister ici, peut-être. Et... ou Khazar pour mettre mes 4 points. Sunspot à droite, alors qu'on peut avoir... des points grâce à Bishop. Et fantastique ici. Bien vu, man. Bien vu le Sunspot. Potentiellement Killmonger toujours. Faire ça pour... ouais non, là Enchantress à droite. Ouais voilà. Et si je mettrais Khazar ici et Ant-Man ici. Oh! T7. J'ai bien envie de faire ça.
sais pas ce que t'en penses. Oui. On se mettra un Khazar ici à la fin. Pour potentiellement mettre Nightcrawler ici, mais je pense pas que ça lui soit utile à lui. Enchantress. Je pense qu'honnêtement, il a joué ses cartes de 4. Ah oui, Angela. Nightcrawler, Angela, j'aurais dû faire. Bien vu. Good. Ça va partir. Hein. Snap. Ouais, allez, on est fou là. Ah, bon bah voilà. Victoire. Ok, bah GG mec. Merci pour ce deck. C'est une victoire. Ça me fait jouer des cartes que j'ai pas jouées depuis longtemps là. Maman le deck. Bon, Nightcrawler on le joue pas. Ah c'est dommage. Angela s'il te plaît viens. Bah ouais en vrai parce que tu joues avec plein de tout petits dés en fait. Ah ciao mister. Elle est marrante sa variante sport. Ah ouais trop stylé. Je sais pas s'il y a d'autres en variant de sport. Ant-Man. Bon bah je passe aussi hein, je suppose. Carnage. Ah bon. Ah. Ça commence à être chaud là. Ouais, je joue rien pour l'instant. Non, Enchantress, c'est mon. Pour mon Shang-Chi, c'est évidemment rien, mais Enchantress non plus. Qu'est-ce qu'il branle là? Non, je pense pas qu'il ait de deck. Enfin, de cartes continues là-dedans, mais il joue bizarre là. Ouais, bien vu. Je pense faire ça après. Je vais commencer à poser des T1. Je pourrais mettre un Iceman, peut-être ça peut le bloquer à la fin. Ou est-ce que j'attends vraiment le dernier moment? Parce qu'en vrai, ouais, potentiellement, il a des... Ouais, ça sert à rien que je les mette maintenant, vu que je suis à 0. Ça me coûte 0, ça sert à rien. Sunspot? Ah, merde. Oh, la death. Oh, bah, écoute. Petit Shang-Chi à droite, là. Oh, attends, quoi? Comment ça, il a deux Squirrel? J'ai pas compris comment il avait deux squirrel. Ah par mon gueule, mais je suis con, putain. Et oui oui snap là, hop. Donc ça, là. Ce qui tombe à 10. Et moi je suis à 3. Ensuite, ça là. Ça là.
Celle-là. Ah. Celle-là. J'overkill un peu, non? Ici, ici. Mid le Iceman. Ouais, je pense qu'il abandonne. Mais vraiment, il a joué vraiment un peu comme un bot. Hein. Je pense que c'est un bot, non? Parce que pour jouer Yondu, Carnage par-dessus, puis Deathlock par-dessus, c'est hyper bizarre, je trouve. À moins que son but, c'était vraiment de jouer Death. Mais c'est vraiment étonnant. Parfait. Allez, montre-nous tes compétences. Deck de Kurur. Ah oui, c'est vrai que c'est doublé à droite. C'est une victoire en 3 points, ça. Oh la baisse. Ah non, vraiment, c'était un bot, c'est pas possible. Jouer ce qu'il a joué, c'est hyper bizarre. Bon, GG. Ok, le deck est cool, hein. Faut que je me creuse un peu les méninges histoire de bien faire mes sorties et tout. Parce que j'ai pas l'habitude de jouer, mais il est cool. Pas non plus trop Kaza. Kazu. Ouais. Ouais, voilà. On va partir là-dessus, hein. Il était con. Il avait de l'eau dans le cerveau, le bonhomme, hein. Ah, Angela, parfait. Khazar, mais c'est top. Bon, bah, on passe. T2 Angela. On a soit Nightcrawler dessus. Oh, pas mal lui. Pas Variant Sport. On se demandait s'il y avait d'autres Variant Sport. On voit une. C'est dommage que. Parce qu'ils font une Variant Sport pour celle-ci, mais pas pour la deuxième. C'est vraiment dommage. Oh, j'ai de la chance que le Killmonger sorte maintenant. Ouais, nice. Hein. Je pourrais sortir mes T1 maintenant. Sunspot... Mais pas à droite, Sunspot. Je le mets plutôt genre mid ou à gauche. Comme ça, ouais, en vrai mid, parce que si j'ai un truc mauvais sur le mid, genre professeur Xavier, je peux quand même avoir des points. T'as vu dans le prochain, enfin dans le prochain, dans l'actuelle saison là, il va y avoir une carte qui, après que tu les bouges, après que tu l'aies placée, tu peux la déplacer une fois, ben, un Nightcrawler, sauf qu'il a aucune restriction. Alors tu peux le mettre sur un professeur Xavier ou autre. Oh, le Galactus qui a fait tout foutre en l'air là. Mama le Galactus. Khazar, je vais pas le mettre là. Hein. Sabre tout ce qui remonte. Ah oui, mais. Ah, il va me sortir des Venoms monstrueux, lui. Ah, mais non, avec une carte dans notre deck. Ah oui, ça se trouve, il la repioche pas, sa carte. Mm-mm-mm.
Après, il peut la repiocher. Hein. Oh la Death. C'est une Nightcrawler. Attends. Attends, je fais des bêtises. Tac. L'adversaire a utilisé le snap. Tic. Tic. Ah non. Mais non, mais mon Nightcrawler, il va jamais taper s'il faut, là. Attends, Night, il 4. 5, 6. 7, 8. Au pire, il égalise. Enfin, au mieux, il égalise. Où est-ce qu'il irait à la droite, ouais. À gauche ? Ah, pour que ça mette un truc genre Shang-Chi ou autre. Ça va mettre Quirrell là et là. Et je mets ça ici et ça là. Ouais. Ouais, comme ça au pire il met Shang-Chi ou Enchantress. Ouais, c'est pas mal je pense. Au pire Iceman, et Iceman va quand même être boosté. Ah, il se met plus 1 avec ses deux Nova. Enfin, plus 2 avec ses Nova. Oh, dommage le Shang-Chi. Ah bah non, c'est une victoire. Ah mec, la vache. Je suis encore plus sur le cul quand j'arrive pas à calculer quoi. Parce que là... Waouh. Je suis abasourdi là. Là, attends. Ah non. Je voulais faire ça, ça. Non, il faut le laisser réfléchir. Il faut laisser à ce blessé là réfléchir ses moments. Pourquoi? Ben oui, parce que... Il sait pourquoi il s'est engagé là. C'est vraiment le son de brain fart quoi. Il fait des merveilles, on sait pas comment, mais c'est du pool 2. Et les gens jouent pas autour en plus. Ouais, il est pas mal ce deck, vraiment top. Qu'est-ce qui se passe là? On est 35, on n'a pas bougé de la soirée, mais c'est en bonne voie. Car on a un deck vraiment sympa. Bon, demain, Colour, je t'appelle quand je voudrais jouer. Tu me répondras pour me coacher, évidemment. Et on fera des games, ok? on va terminer. Ah, est-ce que. Ah non, je vais garder mes crédits pour améliorer une grosse carte. Genre Death, je crois. Non, Death, on l'a fait tout à l'heure. Une carte dont je n'ai pas. Le nom est m'est sorti de la tête. Alouette. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Ah, mais même Squirrel, je vais pouvoir la passer en. Grâce à ce deck. Attends, mais pourquoi je. J'ai pas d'autres cartes de Squirrel en fait, c'est ça. On va ouvrir les coffres. Allez, pas de pixels s'il vous plaît. Et sinon, tout le reste est le bienvenu. Bon, allez. Et les golds, pas trop là en ce moment. J'en ai assez là, ça suffit. Donc pas de pixels, au mieux des nouvelles cartes, ou des belles variantes, des crédits, ou des tokens. Super. Ah bon, en plus une carte que je joue, hein, évidemment. Deux variantes pixels aujourd'hui, ah ça, ça fait mal. Hein. Ouh les jetons, oh le x2 là, ou le... Non c'est x3 qu'ils ont mis maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore tout leur P3. 600, ça fait combien du coup? Ça me fait... 2700, top, super. Allez, deux autres coffres. Adieu les pixels. Il est ignoble. Il est moche. Il a des veines sur le crâne en plus. Il me dégoûte.
Putain. Dire qu'en plus, la carte de base, je l'ai eue juste après son nerf. Vraiment juste après le nerf. J'étais dégoûté. Et des crédits. Allez. Ah, en vrai, 3. Est-ce que je peux pas améliorer un truc, là? Est-ce que je peux pas améliorer un truc en 300? Ou... Non, ouais, 300. Oh, l'horreur, quoi. Ah, bah. Bah, parfait. Viens là, mon Khazar. Ah, mais Khazar, je crois que j'avais déjà une... J'avais pas déjà une que j'améliorais? Ah oui, bah oui. Oh le con. Bon, c'est pas grave. Tout pour la fame. Hop là. Ah, Black Cat. Bon bah une nouvelle carte. Bon, je la jouerai pas trop, je pense. Mais bon, c'est déjà une nouvelle carte, ça fait plaisir. Bon. Sur ces 2h30 de live, mes amis. Surtout toi, Pierre. Je vais vous dire bonne nuit. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. En espérant que vous chopiez un max de cubes. Et pour cela, je vais vous laisser. On va se faire un petit au revoir. Pas en musique, rien du tout. Je te souhaite, Pierrot, une bonne nuit. Je verrai d'ailleurs, faut qu'on t'offre l'abonnement pour avoir gagné le concours, tout simplement. Et je vais voir après si Brice envoie ou si vous quand vous verrez vous pour avoir les stickers. Mesdames, messieurs, bonne nuit. Ce fut un plaisir, merci pour ce deck color. Je vais le laisser nommer color ainsi. Surtout les stickers, bah oui. Bonne soirée à tous, ciao, bye bye. À lundi prochain pour chaque émission qui sera un peu plus tôt, vers normalement 18h. Il devrait démarrer à 18h. Ciao, bye bye, à bientôt.